Bonsoir et soyez les bienvenus à Fort Boyard. Comme vous le savez, cette année est placée sous le signe de la nouveauté. Nouvelle cellule, nouvelles règles du jeu et bien sûr, la nuit. Mais ce soir, la nuit ne sera pas comme les autres car ce soir, c'est la pleine lune. Et les jours de pleine lune sur le fort, les esprits se réveillent et les personnalités changent. Autant vous dire que nos candidats vont vivre une nuit très, très agitée. Mais avant de découvrir la face cachée du fort, découvrons ensemble le vrai visage de notre nouvelle équipe avec Bravo. Sarah. Bonjour Sarah. Salut Olivier. Tu vas bien? Très bien, et toi, comment tu vas? En pleine forme, tout comme Passe-temps et Passe-partout, tu vas nous présenter maintenant cette nouvelle équipe. Il y a des visages qui ne me sont pas inconnus et j'espère surtout qu'ils sont en forme. Est-ce que vous êtes en forme? Oui. Bon, alors déjà, à cette question, ils sont en forme. Tout d'abord, Xavier Cousseau, bonjour. Tu es champion de monoski. Voilà. Et tu détiens le record, si je me trompe, de vitesse en la matière. Tu as franchi le cap des 200 km/h. Voilà, je suis le premier à avoir passé la barre des 200 km/h sur un monoski. D'accord, donc la vitesse, tu connais. Et tu vas voir que la vitesse, ça fait partie des mots d'ordre de ce fort. Bonne chance. On va voir ça. Sylvie Tellier, bonjour. Bonjour. Alors, ex-Miss France. Oui, l'année dernière. Et également chroniqueuse actuellement à la télé. À la télé, sur le câble. Bon, bah, bienvenue sur ce fort et bonne chance. Merci beaucoup. Éric Jean-Jean, salut. Salut Sarah. Bienvenue à toi. Merci. Également animateur à la télé et à la radio. Et je te souhaite le meilleur pour ce Fort Boyard. Merci. Hicham Nazal, tu es comédien. Salut Sarah. Salut. Bienvenue à vous tous. Enfin, Séverine Travers et Natacha, bonjour. Natacha Siliri, vous êtes toutes les deux bénévoles au sein de l'association que nous allons tous ensemble défendre. Il s'agit de l'association Handicap International. Sylvie, peut-être un petit mot sur la SOS. Écoutez, Handicap International est très connu pour son action menée contre les mines antipersonnelles. Aujourd'hui, cette mission s'est élargie. Elle vient en aide aux peuples des 60 pays les plus pauvres, victimes soit de catastrophes naturelles ou de guerres. Nous sommes tous ici ce soir afin de récolter de l'argent pour venir en aide à cette association dans deux missions particulière. Tout d'abord, l'aide aux civils irakiens et surtout algériens. Voilà. Bon, mais je vous souhaite le meilleur du meilleur pour cette émission. Je me joins à Sarah en effet pour vous souhaiter la bienvenue. À partir de maintenant, la première phase de jeu a commencé. 45 minutes seulement pour récupérer les 7 clés. Ne tardons pas, suivons Passe-partout. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord déverrouiller la porte qui la protège. Ceci demande 7 clés qui s'obtiennent en réussissant des épreuves physiques ou en répondant correctement aux énigmes du père Fourin. Attention, si un candidat ne sort pas d'une épreuve avant la fin du temps imparti, il est fait prisonnier et envoyé dans les geôles de Fort Boyard. Bon, vous avez une chance ou une malchance, je ne sais pas, à vous de choisir, car il fait une chaleur infernal aujourd'hui sur le fort. Cela dit, le beau temps vaut mieux parfois pour réussir les épreuves et surtout pour circuler dans ce bâtiment. Pour l'épreuve qui vient là, franchement, il n'y a aucune raison valable pour qu'Eric n'y entre pas. Franchement, aucune. J'ai beau chercher, il n'y en a pas. Sauf si je décide que ce soit Xavier. Ça sera toi. Ne bouge pas, je vais d'abord t'équiper. N'oublie pas que le principe, je le rappelle, parce que parfois dans certaines équipes, les candidats l'ont oublié très vite, c'est de ramener la clé. Hein? Et tu joues en plus pour la première d'entre elles. Bonne chance à toi. C'est parti. Allez, vas-y, Xavier. C'est parti. Alors, ce qu'on va faire, Eric, tu vas mettre contre la porte, c'est toi qui vas lui donner des conseils. La première chose qui est très importante, c'est qu'il garde toujours la corde devant lui. Où se trouve la clé? Bon, est-ce qu'il a mis... Est-ce que tu m'entends, Xavier? Ouais. Bon, tu la vois la clé? Non, je ne la vois pas. Tourne-toi, tu l'as vu? Alors, tu lui dis bien qu'il garde la corde toujours devant lui. Il garde la corde devant toi et de préférence sur ton épaule gauche. Voilà. Ça va? Ça va. Alors, écoute, il reconstitue une échelle avec les barres qu'on lui met à sa disposition. Vous voyez, il y en a deux au-dessus, prends ton temps, à droite. Hein. Je prends mon temps. Alors, souvent, ils sont concentrés à construire leurs échelles, donc peut-être qu'il ne va pas voir les barres. Eric, dis-lui bien qu'il a deux barres à droite. Il a deux barres à droite si tu as besoin, Xavier. Okay. Bah, il va en avoir besoin. Voilà. Ça va? Ça va toujours? Oui, il déroule bien. Allez, surveillez toujours la clepsydre. Ouais. Alors, sur la première, vous n'allez pas vraiment avoir une notion de cette clé, mais après, vous allez vous y habituer. Donc là, il a pris toutes les barres. Oui, t'es bien parti. C'est bon, là, t'es bien parti, c'est vachement bien. Ouais. Mais là, souffle. N'oublie pas les barres sur le chemin. Oui, il progresse vachement bien. Tu es prêt, c'est bien, c'est vachement bien, t'es pas loin, vas-y. Tu vas la voir.
Xavier allait nous faire un truc très bien, c'est ça. Ça a été comme une lettre à la poste, je suppose. D'accord. Bon, pour celle qui suit, j'ai besoin de quelqu'un qui est à la fois plein de concentration et plein d'énergie. Et je pense, Sylvie, que tu es vraiment un concentré d'énergie, donc je pense que c'est vraiment la cellule pour toi. Eh bien, on va voir ça. Hein? Je t'en prie, présente-toi ici devant cette porte. Allez, Sylvie. La deuxième. Attention, c'est ta première épreuve dans le fort. C'est peut-être une deuxième clé pour ton équipe. Prête ? Bon, Hicham, viens à côté de la porte, tu vas lui donner les conseils. D'accord. Sylvie, tu as vu la clé ? Alors, est-ce qu'elle a vu la clé ? J'imagine que elle est juste devant elle. Voilà, tu lâches pas des... Tu lâches pas la clé des yeux. Essaye de trouver ton centre de gravité, tu avances, Bon, Hicham, le premier conseil que tu peux lui donner, c'est une fois qu'elle est sur le cylindre, elle fixe un point, que ce soit la clé ou autre chose, et qu'elle ne décolle pas de ce point. Ça l'aide vraiment beaucoup, d'accord ? Il faut toujours, toujours qu'elle fixe quelque chose. Et bien sûr, elle prend son temps pour s'installer sur le cylindre. Et elle se met à califourchon. D'accord, Sylvie, tu te mets à califourchon. Ça y est. Tu regardes un point que tu ne lâches pas pour trouver ton centre de gravité. Et prends ton temps pour pouvoir trouver ce point. C'est pas grave. Allonge-toi bien. C'est pas grave si elle tombe, il faut qu'elle tombe deux, trois fois pour bien comprendre comment. Il faut qu'elle se mette. Bien droite, tu regardes la clé. Regarde la clé, colle ton buste sur le... Colle ton buste, voilà. Voilà, il faut qu'elle s'allonge. Tu sais, il faut qu'elle colle son bassin au cylindre. Toujours. Et les jambes toujours écartées. Les jambes un peu écartées. Si elle écarte pas les jambes, elle pourra pas y arriver. Tu peux lui dire, Sylvie, tu écartes un peu les jambes de manière à pas tomber. Ce que tu peux lui dire, c'est comme si elle était sur un cheval, tu sais, qu'il n'y avait pas d'étrier, donc elle serait obligée de le tenir juste avec ses jambes. Tu serres les cuisses, tu les écartes comme si t'étais sur un cheval, Sylvie. Surveillez. Faut bien que tu colles. Faut bien que tu colles au cylindre. Les jambes, elle est de chaque côté du cylindre. Voilà, si elle met les jambes comme ça, si elle relève les jambes, elle ne pourra pas y arriver. Ne relève pas les jambes. Tu vois, ce que tu peux lui dire aussi, c'est de coller ses mollets. Peut-être qu'elle comprendra mieux comme ça. Toujours coller ses mollets. Voilà. D'accord, Sylvie, tu ne décolles pas les mollets du cylindre de manière à rester cramponnée. Surveillez les mollets. Non, là, elle va pas y arriver. Mets tes jambes sur les côtés du cylindre, comme si tu englobais tout le cylindre. Mais écarte tes jambes, là. Dommage. Allez, encore une fois, tu les serres sur le cylindre. Tu vois, elle fait la même chose. Allez, il faut qu'elle essaye une dernière fois. Mets tes jambes. Surveillez bien le temps. Je pense qu'elle peut essayer une dernière fois et après... Mais fixe-toi l'objectif, regarde. Elle a pas trop le temps de souffler. Ah oui. Voilà. Non, tes jambes. Sors, bon, c'est pas grave. Allez, on va voir la troisième. On reste là pour l'instant. Tu voulais pas écarter tes jambes. C'est ça. Écarter les jambes, t'as pas voulu. Hein? Par principe, c'est quelque chose que tu ne fais pas. Pourtant, ça m'arrive, si, mais... Là, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver le moment de... C'est quoi qui t'a manqué, tu crois? Ça collait, le cylindre collait, c'est vrai qu'on est transpirant. Une fois que t'es, voilà, t'es à califourchon et que tu veux te basculer sur le devant, t'as des jambes qui collent contre le truc, tu penses que tu vas réussir à te glisser et ça glisse pas et voilà. Tu perds l'équilibre et bon, c'est un peu le but du jeu. Sarah, voilà Olivier. Bon, j'ai
pu observer que malheureusement Sylvie n'avait pas pu récupérer la deuxième clé qui vous était proposée dans cette cellule. Peut-être qu'Eric aura davantage de chance ici, là où je me trouve, car à la place de moi-même, eh bien, il va se trouver face au père Foura. Eric, s'il te plaît, monte en vigie. Ah. Bonjour, bonjour, Jean, ça va, ça va? Ça va, père Foura. Eh bien, vous avez l'oreille musicale? J'essaye. Eh ben, ça tombe bien parce que ici, vous pouvez gagner une clé, que j'ai même oublié d'aller chercher. Alors, j'y vais de ce pas. J'espère que nous allons trouver un accord, si je puis me permettre. Écoutez, parce que sur elle, on s'extasie, on a créé concours et prix. Et nombreux soins attentionnés permettent de la conserver. Qui est-elle? Je répète, parce que sur elle on s'extasie, on a créé concours et prix. Et nombreux soins attentionnés permettent de la conserver. Qui est-elle? La note? La mélodie? Non. La partition? Eh bien non, c'était la beauté. Oh. Mais oui, la beauté suscite souvent l'admiration et l'extase. Et les concours de beauté, bien entendu. Et puis les soins attentionnés qui permettent de l'entretenir et de la conserver. Eh bien là, vous ne repartez pas en beauté. Allez. Oh non, oh non. Vous l'aviez, hein, la beauté, vous l'aviez tous en plus. On va le... Hein, quelqu'un qui connaît la musique, là, je l'ai envoyé valser. Alors, les nouvelles, Hicham, dis-moi. Il l'a pas eu? On l'a trouvé, non. Mais il ne pouvait pas nous entendre. Ils l'avaient tous trouvé. Bon, mais sauf Eric. Tout sauf Eric? C'est dommage, hein? Oui, parce que le principe, c'est quand même celui qui le trouve. Bon, pour le moment, donc, qu'une seule clé. Vous devriez en avoir trois. On va donc tenter pour la deuxième clé, cette épreuve-ci. Vous avez peut-être remarqué, mais... Alors, Eric, ben alors, mon grand. Je suis parti en erreur avec la musique. Il parle de musique. Et moi, je suis, je cherchais autour de la musique. Mais oui, mais bien sûr, mais si, je suis parti sur la musique. Parce que, ben voilà. Ça serait écouté toujours la même chose quand on a le nez sur le tableau noir. C'est rare que la voix soit en plus. Il en fallait deux qui aient raté chez nous. Voyons maintenant ce qui va se passer avec cette cellule. Comme vous avez pu le remarquer, dans cette émission, ça va crescendo. Plus on avance et plus la difficulté est présente dans Fort Boyard. Alors où va-t-on? Je vous le demande, où va-t-on? On va là, en tout cas. Et c'est surtout Séverine qui va y aller. Tiens, Séverine. Allez, Séverine. Il y a bien un moment, il faut y aller, hein, ma pupus. Ouais, c'est sûr. Non, bon. On va y aller. C'est bon. Vas-y, tu là, bien, là, là. C'est bon. C'est bon. Ouais. Un conseil. Quand tu rentres. Tout ce que tu fais à l'aller, tu dois le refaire au retour, d'accord? D'accord. C'est un fameux conseil. C'est parti. Allez, Séverine. Allez, Séverine. Allez, allez, Séverine. Ouais, Natacha. Alors, elle est où la clé? Alors, il faut qu'elle rentre dans le tuyau. Elle est où la clé? La clé. Natacha, tu vas lui donner les conseils. Regarde où la clé, tu l'as vue? Sylvie, viens près de moi. Il faut que tu rentres dans le tube, Seb. Voilà, il faut qu'elle se dépêche. Alors, il y a des petits trous. Il faut que tu progresses, il y a des petits trous, tu peux t'accrocher. Ouais. Il faut qu'elle aille très très vite. Essaye d'aller vite, Seb. T'as du temps, mais essaye d'aller vite. Et là, il faut bien surveiller le temps. Si à un moment donné, vous voyez qu'elle ne pourra pas attendre la clé, il vaut mieux lui demander de sortir, parce que c'est une cellule où elle peut ou elle peut être pionnière. Essaye de les expliquer, Seb. Allez, courage. Allez, vas-y, pas les trous. Il y a des petits trous sur le côté. Elle voit. Il y a des trous dans sur les tubes. Aide-toi avec tes doigts pour te forcer. Ça veut dire qu'elle est à moitié temps là quand même. Hein. C'est à moitié temps, Séverine. Aide-toi avec les trous sur les côtés. Dépêche-toi. Moi, je pense qu'elle va pas avoir le temps d'arriver au bout et de redescendre. Ça, plus de moitié, là, ouais. Je pense qu'il faudrait... Non. C'est à vous de gérer le temps. C'est à vous de prendre cette décision. C'est ça la vraie question. Oui, mais ça sera pas beaucoup plus vite. Non, non. Demandez-lui de sortir. Natacha, dis-lui de se mettre sur le dos. Allez. Oh là là, j'espère qu'elle va arriver, j'espère qu'elle va pas être poussée. Bon, allez, vous lui dites un petit mot gentil. On revient te chercher, Séverine, tu bouges là, pas. Là, elle ne nous entend pas. Eric, va lui dire un petit mot gentil.
C'est vrai, c'est fini, c'est fermé. Bon, on revient te chercher, tu bouges pas, ok? Garde le moral, c'est bien, c'est vachement bien. Bravo. C'est super difficile. Putain. Bon, à tout à l'heure, Séverine. Bon courage avec la boule. Combien Allez, de temps on suit passe-partout, nous, on va pas perdre. Clair, hein. Allez, courage, on va pas perdre plus de temps, on suit passe-partout et on se dépêche. Allez, la boule. Sois gentil avec elle, hein, la boule. Alors, on a perdu Séverine. Pas de clé et on a déjà perdu une candidate. Ouais. Bon, là j'avoue que tout d'un coup la situation commence à devenir légèrement critique. On a mis challenge donc. C'est vrai, tu aimes ça? Tu risques de ne pas être déçu. Il dit mon nom encore. Ah regarde, tout d'un coup, elle se réfugie derrière les gens. N'aie pas peur, mon enfant, je ne te ferai rien. Pour cette cellule, sachez que c'est une cellule d'un type un peu particulier, elle est familiale. C'est une rouge. C'est-à-dire que j'en aurais besoin de deux, Hicham et Sylvie. Non, vas-y, je te mets. Sylvie. Attention, je vous demande une chose, c'est de veiller à ce que cette cellule familiale ne devienne pas une cellule de crise. Vous m'avez bien compris? Je vous précise également, comme l'a remarqué Sylvie, que ici c'est une clepsydre rouge, ce qui vous indique donc que le temps est à vous. Vous décidez exactement des minutes que vous voulez consacrer à la récupération de cette clé, en sachant seulement que cela risque de vous pénaliser pour la suite du parcours. C'est ainsi, c'est la règle. Prête ? Une chose quand même. C'est une cellule qui fait beaucoup, beaucoup de bruit. Donc si vous avez besoin de nos conseils, arrêtez d'en faire et ça vous saurez comment faire une fois que vous serez dedans, d'accord ? Ouais. Prenez votre temps sur parfait. Tout est dit et il n'y a plus qu'à jouer. Allez, c'est parti. Allez. Bonne chance à tous les deux. Bonne chance. Xavier, tu vas te mettre contre la porte parce que t'as une grosse voix et comme... Elle est sur une barrique. Elle est par terre. La clé, est-ce qu'on va se trouver? Oui, non, elle est sur... C'est ça. Voilà, sur le tournant, je crois. Voilà, elle a la clé, d'accord? Alors, vous avez compris que si elle a la clé si facilement, c'est que la difficulté dans cette cellule, oui, c'est de sortir. Alors, pour sortir, il faut que Sylvie... reconstitue une gouttière. C'est bon ? En fait, elle va devoir récupérer un poignard qui va donc leur permettre à tous les deux de couper la corde et qui va leur permettre de sortir de cette cellule. Pour récupérer ce poignard, il faut qu'elle reconstitue une gouttière. Sylvie, pour récupérer la... Le couteau, le poignard. Il faut que tu récupères un couteau, un poignard. Pour récupérer, tu dois fabriquer une gouttière. Elle a deux morceaux de gouttière. Tu as deux morceaux de gouttière, tu les vois? J'en ai qu'un. Non, elle en a deux. En face, elle a l'autre. Il y en a en face, il y a l'autre. À ta droite. À droite, sur sa droite. Voilà. Voilà, et tu dois récupérer les deux gouttières. Après. Maintenant, il faut tourner. Voilà, il faut que Hicham tourne la manivelle. Hicham, tu m'entends? Oui. Tu dois tourner la manivelle. Très fort. Et le passer. Allez, vite. Vas-y, sur la manivelle. Et voilà, l'eau va passer. Il y a de l'eau qui va passer dans la gouttière. L'eau va passer. Pas qu'elle lave. Sylvie, surtout ne lâche pas la gouttière. Là, elles sont toutes ensemble. Voilà, l'eau va glisser et va permettre au poignard de remonter à la surface. D'accord, une fois que le poignard est remonté... Sylvie, est-ce que tu m'entends? Bouge pas pour l'instant. Tu bouges pas. Le poignard va remonter. Elle a le poignard. Maintenant, il faut que tu coupes une corde. La corde à ta droite. À droite, là. Prends bien, recule. Dépêchez-vous. Elle est où, la sonde, là? Alors, vous savez, Olivier vous a expliqué que c'est une clé qui rouge. C'est là où il y a écrit exit. Là où il y a marqué exit, où il y a sorti, il y a une corde, tu vas voir. Regarde la corde à couper. Là où il y a marqué exit. Regarde, il y a une petite porte. Tu dois couper la corde. C'est ça. Non, plus bas. Les cordes. Là devant la porte. Olivier vous a expliqué tout à l'heure que c'était une clepsydre rouge, c'est-à-dire que vous êtes maintenant hors temps. Passe-partout, tu ne verrouilles pas la porte. Mais tout le temps que vous êtes en train d'utiliser maintenant, c'est du temps en moins pour le parcours. Mais on les a tous. Prenez-vous. Faut qu'elle donne le poignard à Hicham. Vous êtes presque. Allez, c'est bien. Là. Encore, Hicham. Allez, coupe-nous. Vite. Allez. Attendez. Je dépêche. Hicham, dépêche-toi, s'il te plaît. Allez, Hicham, tiens presque. Allez, dehors. Encore une. Allez, encore une. Tu peux tirer, c'est le signature en même temps. Vas-y.
On a dépassé le temps, mais dépêchez-vous. Oui, on va les attendre, on a déjà une prisonnière. Il vaut mieux perdre du temps que de perdre encore des gens. Je suis prête, bien. Sylvie, viens à côté de moi, Hicham. Yes. Non, c'est dit, ouais. Juste pour ça, on peut vous dire bravo. Maintenant, vous avez perdu beaucoup de temps. Oui, parce que l'athlétisme. Ouais, je dis, on ne peut pas l'estimer, mais vous avez perdu du temps. Comment c'était, la Noria? Ça fait du bien quand il fait chaud comme ça. Du mal à comprendre au début. Mais le plus important, voilà, c'est vraiment de comprendre le système et ensuite une fois que c'est lancé. Et après, il est quand là. J'ai cassé le décor, tu sais. Mais c'est où? Bon, ça fait combien de clés, ça passe partout? Deux clés, c'est pas mal. Bon, malheureusement, Séverine est en prison. D'accord, allez-y. Allez, 1, 2, 3. Allez, on s'y passe partout. Continue comme ça, c'est bien. Ah, bonjour, c'est vous la femme forte, c'est ça? Allez, c'est bon. Ah, ça m'apprendra à faire la maline. Heureuse maintenant? Non, mais elle a de la chance avec la chaleur. Rafraîchie, elle est rafraîchie. Ah, ouais. Parfait, donc ça nous fait deux clés. Deux clés. Bon, très bien, voilà, on se redresse peu à peu. Là maintenant, j'ai, comment vous dire, je vais vous faire un portrait d'une femme qui est puissante, imbattable, grande, motivée. Non, Natacha, non, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Mais en revanche, tu vas faire sa connaissance. Oh, si, je t'assure. Viens ici, mon petit chat. Allez. Tu retires tes petites chaussures, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Non, tu peux m'appeler Olivier. Tu n'en auras guère besoin. C'est bien. Allez, Natacha. Allez, on y va. Partout, attention. Tu la ramènes. De la clepside. Bonne chance à toi. C'est parti. Oh là là, tu m'as Séverine, on dirait que tu as eu plus de mal à sortir. Natacha, Séverine est enfermée. Pardon, excuse-moi, Natacha, tu as eu plus de mal à sortir que à attraper la clé. En fait, j'ai voulu sortir tout de suite. Et comme c'est hyper glissant, j'ai gagné rien. Bon, en tout cas, tu l'as déchiré, cette lutteuse, parce que. Tu crois? Non, moi je te dis que t'es très forte. Voilà. Une peau douce. On te laisse aller prendre une petite douche parce qu'on est plutôt sympa. Hein? Tes impressions? T'as envie d'y retourner? Non, de toute façon. Sarah, à l'équipe! Regardez, il y a Olivier qui nous parle. Je fais ça. Bravo. Je demande maintenant à Hicham, s'il te plaît Hicham, d'aller rejoindre Papa Foura. Et Hicham, tu vas voir, ce n'est pas un père fouettard. Il sera aimable avec toi. Enfin, je te proposerai néanmoins une énigme. Quant au reste de l'équipe, venez nous rejoindre. On va rejoindre Olivier, Natacha, on te laisse ici. Bonne douche. Allez, venez. On court, hein. Allez, on court. Passe partout. T'es pas en forme aujourd'hui? Nous allons voir dans un instant ce que Hicham va faire avec cette énigme qui lui est proposée. La seule chose, Xavier, c'est qu'au cas où Hicham ne se présentait pas, ne se montrait pas à la hauteur de cette énigme, toi, il va falloir que tu fasses des pieds et des mains avec un filet extérieur pour récupérer la clé que le père Foura jettera donc de sa vigie. Prépare-toi déjà, on ne sait jamais, en espérant bien sûr que nous n'ayons pas besoin de toi. Concernant Sylvie et Eric, nous allons regarder ensemble ce qui va se passer dans cette vigie. Quand ange couis-je, mais qui s'avance ici pour savoir qui suis-je? Ah, Hicham!
Ah, venez, venez, venez vite. Vous êtes dominé pour la meilleure énigme. Alors, donc, vous allez me donner la réplique et tâcher de ne pas faire de la figuration. Hein. Bon, allez, je dis mon texte. Je trouve que vous avez une drôle. Et pourtant, elle n'est pas de bois. Pour en gagner plus qu'un gueule. Peu, non, elle peut devenir un jeu. Je répète, je trouve que vous en avez une drôle. Et pourtant, elle n'est pas de bois. Pour en gagner plus qu'un peu, elle peut devenir un jeu. Une clé ? Qui est-elle ? Non. Une clé ? Non. J'ai un petit peu bafouillé, mais allez. Allez, non, une non, épée. Encore. Allez, proposez. Allez. Oh, allez, laissez venir ce qui vient. Vous en avez une drôle. Vous en avez une drôle. De tête ? Ah, presque. Oh là 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 là. Un cheveu près. Non, c'était la bille. Oui, avoir une drôle de bille. La bille. Vous allez faire une drôle de tête. Vous êtes dur avec moi. Oh, une bille de bois, c'est une partie d'un tronc d'arbre. Et le jeu de billes qui permet de gagner d'autres billes peut devenir un jeu. Oh, bah là, bah vous repartez tout de même bille en tête. Hein ? Allez, hop ! Allez, chat. Hop. Oh, le théâtre, la comédie. C'est étrange, mais moi je suis toujours cantonné au rôle de décomposition. Ah, c'était pas gueule, c'était bille. Tu vois donc ce filet face à toi, tu as peu de temps, le temps de cette clepsydre uniquement pour récupérer la clé que le père fourra a jeté. Ouais. Bonne chance à toi. Allez, vas-y. Allez. C'est tout dans les bras, tout dans les jambes, hein. Vas-y, Xavier, t'as une minute. Comme chez toi, à la montagne. Allez, go. Surveillez le temps, quand même. Ça va bien. Non. Et relax, t'as la perfaite d'un cas. Bon, Hicham, regarde où est Xavier à cause de toi. On avait trouvé gueule. Hop là. Allez, c'est bon, là, t'es même pas à la moitié du temps. C'est pas bien, Olivier. Xavier, grâce à moi, tu... Yes. Bravo. Ça nous fait trois clés. C'est génial, Xavier. Tu sais ce qu'on va faire, nous? On va pas perdre une minute de plus. On va aller sur la prochaine cellule. Toi, tu te déséquipes et tu viens vite, très vite nous rejoindre. D'accord? Bien joué. Allez, on y va. Eric, c'est toi qui as la clé? Moi, j'ai la clé. Tu la donnes à Passepartout. Hein. Vous allez voir maintenant dans cette cellule, eh bien qu'un voyage sur le fort, un séjour sur le fort, ça laisse des traces. Et pas que dans la tête. Sylvie, tu vas t'en rendre compte. Sylvie. Ici, et Eric aussi. Voilà, allez, deux pour le président. Je vais prendre un verre, Thomas. Non, il faut que tu les aides, parce que là... Je te propose en effet plutôt de supporter ton équipe. Prêt ? Bon, Hicham, on est tous les deux en amoureux. Tu vas leur donner des indications. La première chose, tu mets Sylvie sur les épaules de Eric. Enfin, Sylvie, tu te mets sur les épaules d'Eric. Voilà, très bien. Vous avez vu la clé ? Ouais. Et tu prends le bâton, voilà. Ils n'ont pas vu la clé puisque la clé se trouve dans une des cases en haut. Donc il faut toutes les ouvrir. Ouais. Voilà. Donc elle tape sur le petit truc blanc, tu vois. Voilà, tu vois, tout le petit truc blanc. Ah. Avance. Ça va? Oui. Ça fait bien? Oui. Tiens, tu donnes ta clé à Passepartout. Prends-toi bien sur le bout blanc. Ouais, sur le bout blanc. Voilà. Allez, encore. Ils vont sortir, ils vont être beaux comme des dieux. Oui. Allez, Sylvie. Oui, allez, continue. Bien, hein. Allez, Sylvie, allez. Vas-y. Allez, encore. Encore. Allez, compte entre toi. Vas-y, Sylvie. Oh, c'est vachement bien. Encore, surveillez le temps, parce qu'il y en a plein d'autres à ouvrir. Allez. Avance.
Allez Sylvie, allez, allez, allez. À gauche, à gauche. Allez. Allez Sylvie, allez, il t'entend un peu de temps. Allez, on continue. Alors, allez, allez, allez Sylvie, vous avez encore le temps là. Enfin, il faut qu'il commence à se dépêcher. Hein. Allez, dépêchez-vous un peu là. Voilà. Allez, allez, allez. Avance. Vous avez encore le temps. Oui, encore. Là, là, vite, encore, vite. Encore, c'est bon. Avance. Vite, 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 vite. C'est la dernière, c'est la dernière. Bon, il en reste. Encore une. Vite, 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 vite. Allez, vite, vous y êtes. Vous n'avez pas eu la clé, mais alors croyez-moi, tournez-vous pas. On est beau. Vous êtes beau, voilà. Vous êtes beau, vous êtes sexy. Il y a du sucre et le bâton. Non, mais vous avez fait toute la série, en fait, elle n'y était pas là. Vous n'avez pas la série. La clé était dans la dernière case. Ah merde, pas mince. Bah forcément. Tu peux le dire. C'est parce qu'on a pris le parti de commencer par celle qui était la plus. Oh là là, qu'est-ce que vous me plaisez comme ça. Je t'embrasse. Non, surtout pas. Allez, vas-y, viens, allez, allez, allez. Je viens avec deux bombes atomiques, tu vas les voir. Tu viens avec quoi, chérie? Deux bombes atomiques. Désolée. Ça nous rappelle notre bisoutage. Le persan. Ça, c'est le côté fashion du fort, voyez-vous. Voilà. C'est une nouvelle mode lancée pour l'été 2003. Bon! Pas trop mécontent de ce petit séjour là-bas dans cette cellule. C'est juste dommage qu'on ait commencé par cette petite cellule. Ouais, je comprends. En tout cas, vous aurez l'occasion de ne pas vous laver, rassurez-vous. Pour celle-ci, est-ce qu'il y a un Christopher dans l'équipe? Sylvie, c'est gentil de suivre. Est-ce qu'il y a un Christopher dans cette équipe? Non. Il y a un Brandon, un Jason? Non. Bah, tu vois, Xavier, je suis désolé, hein, j'ai tout essayé. Non, franchement, j'ai de bonne volonté. Eh ben, il n'y a personne pour t'aider, donc c'est toi qui vas y aller. Bon, bah, voici un instrument qui devrait t'aider, en revanche. Hein, il ne compte que sur toi, pour le reste. Tu es l'homme qui assure à chaque fois. Hein. Attention. On va essayer. Prêt, Xavier. C'est parti. C'est parti, je confirme. Allez, Xavier. Bon. Eric, tu vas à côté de la porte. D'accord. Sylvie, bon, tu viens pas trop à côté de moi, mais un petit peu. Viens. On ne t'arrête pas, tu la connais. Alors voilà, il faut qu'il remplisse le tube, qu'il bouge bien le tube avec les paumes de ses mains. Est-ce que la clé, on la voit pas. Et puis qu'il rentre par l'avant, par les jambes en avant, les jambes en avant. Non, c'est difficile. Il fallait qu'il rentre les jambes en avant. Au prochain tour, d'accord. Parce qu'il doit faire plusieurs allers-retours pour remplir donc les tubes d'eau. Ouais, alors, c'est bien. Passe les jambes en avant, les jambes en avant si tu peux. Et Eric, il y a quelque chose qui est très important. Il faut qu'il soit très très calme quand il renverse l'eau dans le tube. D'accord. Très calme. Pas, Xavier, tu dois être super calme. Il fait ça très doucement. Voilà. Non, voilà. Là il va trop vite. Là. Il va trop vite, t'en perds. Tu vois, il en perd beaucoup et il ne pourra pas faire beaucoup d'allers-retours. Allez, Xavier, allez. Tu mets les jambes en avant pour la première partie. Pour la première partie. C'est plus facile, ouais. Calmos, tu vas y arriver. Maintenant, c'est allez, Xavier, pas... allez. Voilà, c'est mieux. Ouais, c'est bien. Voilà, vas-y, Jean, tu l'as connu, on s'en est parlé. Maintenant, peut-être qu'il trouve ça plus difficile, mais en règle générale, c'est plus facile de sortir de là s'il a les jambes en avant. Essaye de bien calmer quand tu mettras l'autre, là. Ouais, très, très doucement. Très c'est vachement bien, t'assures. Allez, Xavier, t'as le temps, encore. T'as encore le temps, t'es même pas à la moitié du temps. Tout va bien. Doucement, très doucement. Bah, c'est super. Vachement bien. Allez, go. Allez. Voilà, il est proche. Je pense qu'encore un aller, ça sera bon. De la moitié du temps, ça veut dire que tu peux le faire. Oui, qu'il reste calme, qu'il relaxe. Alors maintenant qu'il a testé les deux techniques, c'est lui qui va choisir. Bah, il préférait en avant. Allez, Xavier, allez. Tout va bien, tout va bien. Un tiers du temps, tout va. Il est costaud, hein. Pense à l'eau. Reste tout doucement. Il a le temps. Doucement, Xavier. Enfin, il a le temps, mais maintenant ça commence à se vider, hein. Donc il n'aura pas le temps de faire un autre aller-retour, je pense. Donc j'espère que. Ouais, ouais. 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 C'est bon. C'est ok. T'as assuré. Yeah. Super, Xavier. Tu nous ramènes les clés, hein. C'est troisième. Ouais. Non, cinquième. Oui, cinq clés. Ah, oui, trois clés, il nous a ramené. Heureusement que t'es avec nous. Ouais. Hein, il faut surtout pas que tu... Mais non, tu m'avais bien motivé, là. On fait un petit cri de guerre, là. Ouais. Un, deux, trois. Engagement de balle.
international. Bon, allez, on va pas perdre une minute de plus. Passe-partout. Il vous reste deux clés à récupérer. Ce serait génial que vous les ayez parce que vous avez déjà une prisonnière. Et Eric, je suis très contente que tu sois là. Une souris verte blanche qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs dames. Ces messieurs dames me disent, ce sera Sylvie qui rentrera dans la cellule. Elle a tout fait. Bonjour mademoiselle. Jolie, elle s'appelle Daphné. Enchantée Daphné. J'ai les mains qui collent un peu. Mais Daphné n'est pas contre les mains qui collent, surtout. Tu es prête Sylvie? Sylvie. Faut me dire ce que j'ai à faire. Tu verras, c'est très simple. Commence par. C'est parti. Allez, regarde. Allez, alors, Eric, tu sais, tu peux d'ores et déjà lui donner un conseil parce qu'elle va devoir fouiller dans tous les pots pour trouver cette clé. Il faudrait qu'elle le fasse de manière méthodique, c'est-à-dire qu'elle le fasse, tu vois, soit qu'elle commence tout à gauche, soit tout à droite. Soit tout à gauche, soit tout à droite. Ouais, ça lui évitera de mettre la main deux fois. Une main dans chaque pot en même temps, tu gagneras du temps. Ok. Sois méthodique et t'as le temps, a priori. Sois méthodique et tu prends le temps de fouiller au fond, hein. Dis-nous, mais tu fais ça quand même. Eric demande juste. Ah, c'est pour pardon. Qu'est-ce que tu sens? Une clé, par exemple. Ouais ouais. Tu as de la chance parce que t'as pas eu à mettre la main dans tous les pots. Tu l'as mis quand? Bah non, quand t'as mis la main dans quoi? Dans 5-6 pots? Ouais. Bon alors tu peux te rincer les mains. Juste les mains. Juste les mains, vous aurez bien fait la touche complète. On a encore 15 minutes. Et moi je vous propose d'aller à la prochaine cellule en marchant parce qu'il vous reste qu'une seule clé à récupérer et que vous êtes vachement bien. Et voilà, je trouve une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Nous en sommes donc maintenant à... Cycler. Une seule. Jouer, bien joué. Bon, vous êtes fiers de vous, vous êtes contents? En tout cas, nous le sommes. C'est dommage qu'il manque une personne. Ouais. Ouais. C'est sûr, voilà, c'est sûr. Ce soir. Pour l'instant, voilà, en tout cas, vous vous êtes bien, bien entendus les uns avec les autres pour cette épreuve. Eh bien, comme pratiquement pour toutes les épreuves, hein, il y a une clé à y trouver. Comme toutes les épreuves, elle n'est pas facile. Comme toutes les épreuves, on risque fort de ne pas y en revenir. Et comme toutes les épreuves, eh bien, il faut bien faire un choix et ça va être Natacha. Allez, Natacha. Dante, hein. Bon, cache ta joie, ma chérie. Attention. Tu regardes bien. Tu es prête, Natacha? Prête. Eh ben, c'est parti. Allez, Natacha. Allez, allez. Tu regardes bien. Il y a plein de clés. Alors, regarde, tu vas prendre toutes les clés. Bon, tu prends toutes les clés. Je prends pas la clé, la dernière. Non, tu prends toutes les clés, prends toutes les clés. Et tu vas voir, il y a une grosse boîte. En toutes les clés, il y a une grosse boîte avec trois serrures. Xavier, c'est très important de lui dire que son travail doit être très méthodique et organisé. Très méthodique et très organisé. Prends toutes les clés, tu as trois serrures. Tu prends une clé, tu ouvres chaque serrure. Tu essayes, viens, tu prends ton temps. Vas-y, tu prends bien ton temps. Et qu'elle fasse bien un tas. Tu viens une par une. Voilà, et qu'elle fasse bien un tas des clés qui ne marchent pas. Faut pas qu'elle les essaye. Bien un tas des clés, mais mélange pas les clés. Que tu as pas encore utilisé. Oui, mais le plafond, il descend. Vas-y, allez. Tranquille pour le temps. Prends ton temps, prends ton temps. Et relax, allez. Relax, okay, elle a le temps. Elle a un peu peur parce qu'elle sent que le plafond est en train de lui tomber sur la tête. Vas-y, vas-y, tu mais prends ça va. Tu prends bien ton temps, tu regardes que la clé prend bien. C'est ce qu'on appelle la cellule qui est précise. C'est sympa. Ouais, t'as vu. Allez, t'as encore le temps, hein. Prends ton temps, mais essaye de bien... Mettre toutes les clés dans la serrure. T'as le temps, arrêtez de dire qu'elle a le temps, il faut maintenant ils lui mettent la pression. Hein. Allez, allez. Elle a réussi à l'ouvrir ou pas là? Est-ce qu'elle en a trouvé? Elle en a même pas trouvé une. Allez, allez. C'est la boîte. Ah, ouais. Bon, elle en a une, maintenant il faut qu'elle en trouve deux. Tu vas passer la moitié. Tu vas passer la moitié. Tu vas passer la moitié. Il en reste au plafond. Il reste encore. Récupère toutes celles qui y ont au plafond. Allez. Il reste encore un quart de temps. J'arrive pas à sortir. Allez! Encore une, c'est bon! Il en reste une.
Allez, tu prends ton temps, tu dévisses. Ça va être celle-là. Allez, vas-y, Natacha, prends ton temps. Ouais, je sais. De justesse, et les copains ont la tête claire. Ouais. Bien, je vous propose, sans vous attendre, on va se diriger vers la salle du trésor et on va déverrouiller cette porte. Et là, ouais. Mais cette clé. Bon, Sarah, je sens dans tes yeux une fierté concernant cette équipe. Et tu as bien raison. Les 7 clés sont à vous. Certes, pendant cette première phase de jeu, vous avez perdu une candidate. Il s'agit de Séverine. On va en reparler dans un petit instant. Auparavant, Passepartout va maintenant vous donner à chacun les clés vous permettant de déverrouiller la grille qui se trouve derrière moi. C'est important, c'est la première phase qui vous permettra donc demain matin, peut-être, je l'espère, de récupérer les boyards. Allez-y, déverrouillez. Et nous allons parler ensuite de ce qui vous attend pour la nuit. Sylvie, tu veux que je te porte? Non, ça va aller. On peut tourner ou pas? Ouais, tourne. Vous tournez et vous retirez les taquets qui se trouvent au-dessus de chacune des serrures, s'il vous plaît. Et bon. Je vous confirme que la grille est déverrouillée. Pour ce qui est du temps maintenant, faisons un point aussi. Vous avez été plutôt performant. Vous avez donc du temps en rab, comme on dit de manière familière. Ce temps vous sera donc crédité demain matin, sachez-le. C'est donc autant de temps que vous aurez en plus pour récupérer des indices. C'est important aussi. Donc une autre bonne nouvelle. Maintenant, il est vrai que donc Séverine est dans les cachots du fort depuis maintenant quelques temps. Elle va y rester encore une grande partie de cette nuit. Cette nuit va donc être importante pour elle. Vous allez pouvoir, à travers la veille qui vous attend, essayer de la libérer. Mais avant cela, parce que vous avez besoin de récupérer des forces, et puis parce que surtout, il y en a deux qui aimeraient peut-être un tout petit peu prendre un peu de frais. Je vous propose plutôt de retrouver vos quartiers. Moi, de mon côté, je vais me préparer pour la nuit. Et vous, dès que le soleil sera tombé, on se retrouve pour de nouvelles aventures. À tout Allez, vous suivez Passepartout, vous vous reposez et vous prenez un maximum de force. D'accord, et à tout à l'heure. Ils ont été forts. Ouais, ils sont bien. Ils ont été bons. C'est dommage que Séverine soit prisonnière, mais ils ont été très bons. Mais je pense que cette veille va bien se passer. Non ? Ouais. Yes. On peut entrer malgré notre état. Waouh. C'est la maison de l'âge. C'est un quoi ? C'est un 3 étoiles, un 4 étoiles ? C'est sympa comme tout. Les candidats découvrent le lieu dans lequel ils vont passer la nuit, tandis que leurs coéquipiers sont toujours enfermés dans les prisons du fort. Allez, vas-y. 1, 2, 3, la pauvre Séverine. Bon, on va lui garder une tasse quand même, en espérant qu'on puisse la libérer dans la soirée. Ouais, on va trinquer pour Séverine alors. Allez, on lève. Séverine ! Allez, Séverine, handicap international. Handicap international. Comme ça, c'est trop fort. Hicham, il veut dormir. Dodo. Qu'est-ce qu'il ronfle là? Ouais, et si on allait se coucher? Et si on prenait Hicham dans nos bras? Ouais, allez, non. Ça a pris. T'es tellement beau comme ça, imagine qu'on récupère. C'est vrai, on la délivre, elle dort avec lui. Elle dort avec lui. Pour pas la dépayser, si elle sort de la cellule, elle dort là. Ah, il mord. Je peux sortir. Voilà. Allez, go.
Pour libérer ses prisonniers, l'équipe doit entrer dans la salle du conseil. L'empreinte, qui ouvre la porte du conseil, est enfermée à l'intérieur de la lanterne du fort. Pour récupérer cette empreinte, les candidats doivent maintenir la lanterne jusqu'à ce que l'axe qui la traverse se rétracte et la libère. Si l'équipe venait à lâcher cette lanterne, elle perdrait à jamais la possibilité de pénétrer dans le conseil et les candidats prisonniers seraient forcés de rester dans leur geôle jusqu'à la fin de l'émission. Ah, bravo. Je vois que le cri de guerre est de plus en plus convaincant. Hein. Ouais. Vous avez l'air en forme, hein? Vous êtes bien reposé alors. Vous êtes bien lavé surtout. Oui, je vois ça. Vous avez retrouvé figure humaine, Sylvie et Eric. Bon. Alors, il paraît que vous vous êtes beaucoup entraîné dans vos quartiers de vie. C'est pas notre genre. Non, non, très bien, mais pourquoi pas, autant prendre de l'avance. Ouais, cela dit, vous êtes peut-être un peu présomptueux, car je, avec Sarah, nous avons le plaisir de vous accueillir à la veille, mais j'ai une chose à vous dire, c'est qu'avant d'accéder à la salle du conseil, où vous allez peut-être, en effet, vous confronter au maître des ténèbres, vous allez d'abord devoir, eh bien, récupérer l'empreinte qui se trouve à l'intérieur de la lanterne qui est face à vous. Cette épreuve, vous le savez, va démarrer dans quelques minutes. Ce que vous ne savez pas, c'est quand elle va se terminer. Elle peut durer une heure, cette épreuve, elle peut durer 6 heures, elle risque donc d'être très longue. Voici donc le plan complet de Fort Boyard. Sachez que vous êtes parmi les très rares à pouvoir l'avoir. Voilà, maintenant, le plus dur reste à faire, c'est-à-dire à tenir le coup le plus longtemps possible avec cette lanterne, que deux, trois d'entre vous, qu'un seul d'ailleurs, ne la grippe. En tout cas, allez-y, parce que je dégoupille dans un instant. Il est préférable pour des mesures de sécurité. Oui, Xavier, que tu saisisses plutôt les manches, comme ça. D'accord. C'est dégoupillé. À partir de maintenant, vous ne pouvez plus compter que sur vous. Alors, bonne chance et bon courage. Oui, bonne chance et bon courage, en effet. Vous nous appelez si vous avez un problème ? Oui, oui, à tout à l'heure, peut-être. On y va à la 3. On y va à 3 ou je reste veillé ? C'est quoi ? On essaye un réglage, à mon avis, toi et moi. C'est la lance, là, qui va. Je sais pas. Regardez ce qu'on a en face. Il faut juste essayer de voir. On était sûr que c'était dans l'autre sens ? Était sûr que c'était dans l'autre sens ? Là, là, si on tient comme ça, là. Regarde, là. Mais on peut être comme ça. Il faut regarder le numéro, tout simplement. Comme ça ? Bon, on revient. On se fatigue moins. On fait exprès de pas le mettre dans l'axe. À n'importe quel moment, c'est cette tige-là qui peut disparaître, en fait, c'est ça ? Ouais. Ouais, ouais, de toute façon. Donc, il faut qu'on puisse regarder, voilà. Donc on est comme ça. Donc il faut aller de ce côté. Pour reprendre des forces, les candidats décident d'aller chercher la nourriture cachée dans les cellules du fort. On va compter, Regarde l'escalier, On est comme ça, L'escalier pour monter est là. C'est la deuxième porte. Tu le tiens, toi, c'est-à-dire je lâche-le pour voir ce que ça donne. Pour moi. Ah ouais, tu le tiens. Non, moi je m'aide en m'appuyant en fait, en poussant mon poids sur la tige. Et tu l'es, et comme ça, je dois bloquer. Bah écoute, on va essayer de voir si elle est ouverte, hein. Regarde, c'est bien ouvert. T'as vu ça? Bingo! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? On va le reprendre. Bah, c'est bien. Allez, voilà. Je lâcherai bien, mais bon, je vais pas vous priver de tous les fruits. Et voilà. C'est bon? Allez, vas-y, on se relève. Ouais, go. Tu veux quelque chose, Eric? Non, merci. T'as soif, Sylvie? Non, ça va. Elle a pour Séverine. Putain, ouais. Elle était pas bien quand elle est partie. Hein, elle était coincée dans, son truc. Elle était minée. Je peux pas dormir. Dégage-toi. Tu commences à bien faire maintenant. Natacha ! T'as mal au temps ? Si, ça commence. Si. Arrête, je suis pas malade. Non mais tout à l'heure on était 4 autour donc... Pas en train de tirer. Les candidats attendent. Ils ne savent toujours pas à quel moment la barre qui retient la lanterne se rétractera. Tu peux le remonter là ? Non. Ah mais ça y est. Je crois. Je peux plus. Non mais dis-leur de venir, sans rire. Dépêchez-vous ! Non, dépêchez-vous, on a Superman au dos. Tu peux lâcher. Tu peux lâcher aussi. Ouais. Attends, je vais prendre ta place parce que... Viens, t'en passe.
bon, ça va là ou... C'est le verre de qui, ça? Regarde. Si ça tombe et que lui tire de son côté... Regarde, si tu tires vraiment. Chut. Il va pas se barrer en une seconde. Non, parce que regarde. Non, parce que si tu tires, regarde, si tu pousses ou si tu le tires. Tu gênes la barre. C'est-à-dire que tu pousses un peu sur la barre, donc le tube, il va pas coulisser. Pouf, ouais, tu laisses deux ans. Yeah. Ouais. Yes. Voilà. Et on l'avait tous. Voilà. On va sortir, c'est vrai. On va se monter en bas. Yes. Bien joué, bande de jeunes. On l'a fait tous ensemble. Ouais, c'est super. Bon, ça, c'est vrai. Eh bien voilà, si nous nous voyons ici, accompagnés par Passepartout, ça veut donc dire que vous avez réussi l'épreuve de la veille. C'est bien ça? Oui. Bon, ça va, les jambes ne sont pas trop engourdies? Non. Non, les bras non plus? Non, très bien. Je vois ça, les bras tremblants. Parce que c'est que de toute façon, dans la pièce qui est juste à côté de nous, vous n'allez pas avoir vraiment l'occasion de pouvoir vous les dégourdir, ni les bras ni les jambes. En revanche, la tête va beaucoup fonctionner sans doute, parce qu'il faut beaucoup de logique et de stratégie pour combattre les maîtres des ténèbres. C'est important ce moment. Vous avez passé la première phase, la deuxième phase, l'ultime, c'est celle-ci. Récupérez donc le pass qui va vous permettre de libérer... Séverine. Et on ne partira pas avant. C'est vrai? Oui. Vous voulez dire que vous allez prendre d'assaut cette crypte? Peut-être toi aussi. Ah mince, Passepartout, tu me protégeras, hein, s'il te plaît. On va d'abord placer l'empreinte que vous avez donc récupérée ici. C'est qui est en possession de cette empreinte? J'allais essayer d'en faire une petite. Place-la dans la tête du tigre, s'il te plaît, John. Tu la places, voilà. Pointe vers le tigre, vas-y. Comme ceci. Ah, c'est formidable. Ah, ouais, tu vois. Mais la tête t'avait reconnu. Parfait. Et c'est Sylvie qui va me suivre la première. Allez, Sylvie. Après vous. Je passe la première. Allez. Allez, pour Séverine, hein. Allez, pour Séverine. Messieurs, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Passe-toi là. Comme tu peux le remarquer, il y a donc un pass sur cette table. Il y a un quartier libre, tu vas te jouer pour ce premier quartier. En le libérant, tu permettras donc à celui qui te suivra, eh bien, peut-être de s'emparer du pass qui permettra à Séverine d'être libérée. Est-ce que tu es prête? Oui. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Tu as devant toi une feuille de papier, le maître des ténèbres de même. Vous allez tous les deux, en même temps, enflammer cette feuille. Le premier de vous deux, qui soit lâche la feuille, soit la laisse s'éteindre, a perdu. C'est bien clair? Oui. Maître des ténèbres, emparez-vous de votre feuille, s'il vous plaît. Et enflammez-la en même temps. Allez-y. Pas de précipitation, s'il vous plaît. Maître des ténèbres, vous n'êtes guère inspiré aujourd'hui. Votre feuille s'est éteinte. Tu peux lâcher ta feuille, Sylvie. Bravo. Merci. Tu as réussi ton duel face au maître des ténèbres. Tu as donc, en réussissant ce duel, libéré le premier quartier. Bravo. Espérons que celui qui va te suivre fera aussi bien. Tu peux m'envoyer maintenant Hicham, s'il te plaît. Ok, merci. Sésame. Yes, yes, yes. Hicham, c'est à toi. C'est quoi? La feuille de papier. Hicham, sois le bienvenu au conseil. Comme tu peux le remarquer sur cette table ronde, dans cette table ronde figure donc le pass qui va vous permettre peut-être de libérer Séverine. Tu vas donc jouer toi pour ce pass. Es-tu prêt? Je suis prêt. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Vous allez jouer à tour de rôle. C'est toi qui commencera à placer la première pièce. Jusqu'à temps que le verre ne coule. Le premier de vous deux qui, en plaçant sa pièce, fait couler le verre, a perdu. C'est bien clair?
Jouez. Remarquable, tu as battu le maître des ténèbres, Hicham. Voici l'effet que cela produit sur la terre. La libération du pass. Tu peux t'en emparer et rejoindre tes amis. Merci. Messieurs, merci. Petite forme ce soir. Bien, non, c'est parce que je les ai un peu vannés, donc forcément les maîtres des ténèbres se vengent de manière assez mesquine. Le passe est à vous. Il a eu les pièces et il s'en est très bien sorti. Et Dieu sait qu'à un moment donné, le loup était vraiment à deux doigts de s'emparer du verre. On va sans tarder maintenant à aller annoncer la bonne nouvelle à Séverine. On va sur repasse partout, direction les oubliettes. Allez. Voici à l'entrée des oubliettes. Généralement, c'est un moment difficile quand il s'agit de sacrifier un candidat pour récupérer une clé, ce que vous n'avez pas vécu. C'est par contre un endroit aussi qui peut être un endroit de joie quand il s'agit de la libération d'un prisonnier, ce qui va donc être le cas maintenant. Qui va descendre pour annoncer la bonne nouvelle et surtout ouvrir la serrure? Tous en même temps. Bien, parfait. Natacha, passe-partout, je t'en prie, ouvre la trappe. La boule est en train de dormir, on peut donc profiter. Vas-y, Natacha. C'est nous ! On arrive ! On est sauvés ! On a la clé ! C'est où ? C'est où ? Elle a pas la louve, tout de suite. J'en ai froid. On est là, c'est bien. Regarde, on est avec Pierre. Il faut récupérer les chaussures. Où sont les chaussures? Ouais. On a fait le bruit de comme. C'était horrible à ce point. Oh, c'est horrible, avec mon vieux pied et tout. Il grimpe en plus. Il y avait des rats. Oh, putain. Viens, viens, viens ici, viens ici, viens. Attention au trou, attention au trou. Tiens, rien. Oui, n'abusez pas Natacha, s'il vous plaît. Elle peut encore nous servir demain matin. Hein? Voilà, c'est fait. Hein? Non, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas pouvoir en plus retrouver les quartiers.
tu ne connais pas encore, mais que tes petits camarades, eux, ont pu découvrir. Ah ouais. Tu vas pouvoir te reposer. Hein. Tu as dit, la nuit est déjà bien courte comme ça, donc on ne va pas tarder non plus. Et surtout, tu vas pouvoir te sustenter un peu. Ah hein. Oui. Manger un petit peu et reprendre des forces. C'est horrible. Hein. Je vais vous raconter, mais même pas y croire. Bon, en tout cas, bravo. Bravo à vous tous. Vous avez fait acte de solidarité. Vous avez réussi à libérer Séverine. Et regardez... C'était important pour elle. On va pouvoir demain matin recommencer les choses sérieuses avec les aventures et trouver les indices. Dans ses bras, ouais, merci Olivier. Oui, c'est important. Je vous souhaite une bonne nuit. Elle sera merci, certes, je suis sûr qu'elle sera bonne. Suivez Passepart. Allez, viens, bébé, viens. Bravo, allez, on va s'occuper de toi. Tu peux mettre tes chaussures, non? Ça va? Tu veux les changer? Je les ai, c'est moi qui les ai. Tu les veux maintenant? Non. Voilà. La pauvre poussinette. Elle y est mal faite quand même. Elle détestait l'idée de dormir avec des rats, alors que moi, ce soir, j'aurais bien dormi avec deux, trois souris. L'équipe est enfin reconstituée pour affronter les aventures. Wow, mais... Ça fait plaisir, hein, d'avoir été chatouillé pendant je ne sais pas combien d'heures. T'as une chambre aussi, on a... Non, on a fait ton lit. On va le faire, on va faire ton lit. Tu n'as rien à faire. Je l'avais accroché dans le dos. Au bout d'un moment, il venait tous sur moi et il venait me C'est des trucs à café. Oui, je suis contente parce que franchement, j'étais tellement terrorisée quand on m'a dit que j'étais prisonnière. Je coupe le petit fil. Je suis KO. Ouais. Mais c'est quoi c'est fini. Non, c'est cool. Tu veux pas essayer de faire avec ça plutôt KO. Tu peux faire pousser l'air dans le ventre. Ouais. C'est quoi là? Oh putain, il est con. Non, t'abuses là, franchement. Non, il est con. C'est incroyable, t'es chié. Eh, t'as bien joué parce que ça faisait exactement cette sensation. Chin, à la tienne. À nous, et aux souris. À nous et aux... À demain. T'es pas les souris, c'était des rats. Non, parce que c'est... Au dodo. C'est plus... J'ai pas trouvé de pyjama, alors j'ai trouvé que... une peau de bête ferait l'affaire pour la nuit. Voilà, voilà, avec les chaussettes. Petites chaussettes, c'est bien... C'est sympa. Alors, là, t'es très beau. Bonne nuit. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas sur le fort. Alors que hier il faisait une chaleur incroyable, aujourd'hui le temps est plutôt mitigé, ce qui n'est pas l'état d'esprit de nos candidats, en tout cas c'est ce que j'espère. Ça va mieux? Oui, bonne nuit. Très bonne nuit. Bon, si j'étais pessimiste, je dirais que vous n'avez fait que la moitié du chemin. Comme je suis un garçon optimiste, je vous dirais que vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et peut-être même un peu moins parce que vous avez gagné du temps hier, je vous le rappelle, avec les épreuves. Donc c'est du temps que nous vous créditons maintenant pour vos aventures. Autant dire que vous allez pouvoir en profiter, j'espère, pour avoir le maximum d'indices à récupérer. Sarah, en forme toi aussi? Oui, c'est toujours un plaisir de te voir le matin. Je propose donc que nous allions immédiatement à la première aventure avec Passepartout. Allez, allez, on y va. Allez-y. Pour ouvrir le coffre qui contient le trésor de Fort Boyard, l'équipe doit trouver un mot-code. Chaque aventure que les candidats vont vivre maintenant leur permet de remporter un indice. Cette année, les candidats ne pourront découvrir ces indices qu'à la fin des aventures. C'est donc seulement à ce moment qu'ils pourront tenter de déduire le mot-code du jour et le composer sur l'alphabet géant situé dans la salle du trésor. Merci Eric. Nous voici arrivés face à la porte de la première épreuve. Qui aimerait commencer cette matinée en beauté? Qui aimerait s'y coller? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. Ouais, s'il fallait qu'il y ait des courageux aujourd'hui. Bon, Sylvie, viens près de moi. Je vais encore être mauvaise. Tu te sens prête? Est-ce que tu te sens d'attaque? Oui. Bon. J'ai préparé la douche et tout. Tout est prêt. Déjà? Ah oui, oui, oui. Alors, allons-y. Je te propose, en fait, de partir avec Passe-Temps. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pour dans un instant. D'accord. Ce qui ne veut pas dire forcément que ce serait une meilleure nouvelle. Hein. Donc, vas-y, et on te retrouve dans allez. Quelques minutes. Allez, allez, allez. Bon, Natacha, t'as préparé ta douche, toi aussi, ou pas? Pas particulièrement. Non, prépare les mouchoirs. Alors, j'espère que tu t'es levé de bon poil ce matin. Elle est en forme, elle est en forme. Bon, parce qu'il y a des petites babettes ici qui se sont, elles, levées... Du bon pied ou de la bonne patte, dirait-on. Présente-toi devant la porte. Tu vas devoir trouver
autour de ces bébêtes, sur ces bébêtes, dans ces bébêtes, je ne sais pas, je te laisse le soin de découvrir tout cela. Un petit mot-code, enfin une petite combinaison de chiffres qui vous permettront d'ouvrir le coffre contenant le premier indice, d'accord? Vas-y. Allez chouchou, hein. Allez chouchou. Allez. T'adore chouchou. T'adore chouchou. Alors. C'est tranquille ma poule. Séverine doit trouver donc un code. Natacha, pardon, doit trouver un code en deux parties. C'est-à-dire qu'elle va trouver un premier morceau de papier où il y aura deux chiffres. Alors quelqu'un se met à côté de la porte. Hicham. Tu la calmes, surtout tu la mets. Ça va, chouchou? Non, ça va pas du tout. En face de toi, sur le fil. Il y a un papier en dessous. Il faut qu'elle prenne toutes les araignées dans ses mains parce qu'il y a des papiers dans quasiment. Allez, vas-y, tu souffles, il n'y a rien du tout, ma poule. Ah, c'est bien. C'est bien, chouchou. Oui, c'est bon. Vas-y, elle va pas se manger. Ah, je peux pas. Calme, souffle. Allez, c'est bon, ouais, c'est super. Parti. Tu y es, tu n'oublies pas, tu prends le corps. Voilà. C'est bon. Génial. Je suis fière de toi. Oh, très bien. C'est bien. C'est bien, tranquillement. Super. Oui. Génial. J'espère que le doigt est sur ce morceau de papier. ..06. Ouais. 06. Alors 06, c'est la deuxième partie du code. Maintenant, il faut qu'elle trouve la première partie. Alors, hein, il n'y a plus qu'à la trouver, la première partie, d'accord? Elle a eu beaucoup de chance, hein, parce qu'elle est tout de suite tombée sur... Alors, n'oublie pas que sur certains, tu n'auras peut-être pas de numéro. Tiens, tu sais ce que tu devrais lui proposer d'aller ouvrir le coffre? Oui, alors tu sais, il y a un coffre. Oui. Il faudrait que tu l'ouvres pour voir ce qu'il y a. Va ouvrir le coffre, chouchou. Oui. Tu vas ouvrir le coffre. Le coffre? Oui. Ah! Vas-y, allez. Tu n'oublies pas, tu peux les prendre par la queue. Alors, tu n'oublies pas, tu prends par la queue, il n'y aura pas de problème. T'as pas eu de problème avec la Miga, y'a pas de raison que t'en aies avec tout ça. Tu y es, là, il nous manque plus qu'un chiffre. Ouais, c'est génial, chouchou. Allez. C'est bien, tu les prends tous en par un. C'est bien, c'est du bruit bien. C'est génial. Il faut quand même lui mettre un petit peu la pression sur le temps. Alors n'oublie pas quand même, il faut que tu te dépêches parce que sinon, oui, tu perds trop de temps. Voilà. Génial. Des sardines, vas-y. Le petit rouleau de papier va se trouver dans une pince du scorpion. N'oublie pas que le papier est dans une pince, pas sous le corps. Il est dans une pince. Elle regarde. Et il faut pas oublier la vidéo. Vous l'avez vu, vous avez vu un morceau de papier. Oui, c'est ça. Alors tu vas doucement, t'inquiète pas. Tu vas... Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est vite dit. Vas-y, chouchou. J'ai vraiment l'impression que Natacha tremble autant que les scorpions. Ouais. J'espère que c'est dessus. Ah ouais. 13-0-0. Comment? 13-0-0. Bravo. De justesse, la lumière vient de s'éteindre, c'est-à-dire qu'à une seconde près, elle n'avait pas le code. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous l'avez? 13-06. Oui, c'est 13-06. 13-06, oui. Oh là là. Faut qu'il soit bien. Faut qu'il soit... Viens, ma belle. Si. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Mal. Tu l'as fait. Tu te sens mal? C'était bien. C'était génial. Tu viens, tu as eu le code. Tu nous as ramené le premier indice de la matinée. C'est toi qui l'as fait. C'est cool. C'est toi qui l'as fait, c'est cool. Bon, t'as ouvert les hostilités de la matinée et comme une reine. Bravo, tu trembles. Hé, elle l'a fait! Ah ouais, tu l'as fait. Un cri de guerre? Allez, elle est un cri de guerre. 1, 2, 3. Engagement total! Engagement total! Allez, je vous propose de suivre Passepartout. On y va. Bravo à toi, Natacha. On est très fiers. C'est super ce que t'as fait. Sylvie, nous voici maintenant dans une phase importante de ta vie sur le fort. Celle où tu vas te lancer pour la première fois à corps perdu, dans le vide. Oui, je vois. Nous avons, cela dit, tout prévu pour toi puisque nous allons t'attacher de manière à ce que tu en ressortes vivante, ce qui est quand même le but du jeu. En revanche, le vrai but du jeu, c'est, comme tu peux le remarquer, de récupérer la cartouche qui se trouve suspendue face à nous. Tu n'as généralement avec cette aventure qu'une seule possibilité de l'avoir, c'est lors du premier mouvement. C'est très rare ensuite, dans le retour, que tu puisses l'atteindre une seconde fois. Bonne chance à toi. Le vide et toi, ça fait quoi? C'est plutôt...
copain-copain ou bien c'est une nouvelle expérience, on va dire, mais bon, toute la question est de faire le premier pas. Oui, oui, et le bon surtout. Je te laisse maintenant face à ton destin. Sylvie face à son destin. Merci. À tout à l'heure, Sylvie. À tout à l'heure. On y va ? Eric, te concernant, suis passe-temps pour la prochaine aventure. Okay. Bon, bah, tu vas pas assister au saut de Sylvie, mais on te racontera. Il est où, passe-temps ? Vas-y. Allez, passe-temps va te rattraper dans les alors, escaliers. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Yes ! C'est bon, on a le premier indice, Sylvie. Faut que tu nous ramènes le deuxième. Allez, Sylvie. Hein. Allez, Sylvie. Sylvie, t'oublie pas, t'essayes vraiment d'attraper la cartouche au premier saut, hein, enfin au premier rebond. Sylvie, faut que tu fasses trop. Voilà. Ferme pas les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Je vous dirai ça dans quelques secondes. Elle va encourager à la dernière seconde. D'accord. Oui, je veux bien. Là, vous en parlez un petit peu, Sylvie, du saut. Ça va, elle est au zen. Sûr ? Alors attention. Allez, Sylvie. Voilà, laissez se concentrer. Et c'est elle qui va décider comment elle se sentira prête. À décoller ou à sauter. Tu me dis ? On fait un décompte ou on la laisse on la laisse. Sylvie ? Ouais, mais... Vas-y. Bon, t'es frustrée de pas avoir l'indice, mais t'as sauté. C'était comment ? Bien, mais je pense qu'au moment de sauter, t'as pas assez de jambes pour l'impulsion, parce que t'étais un peu nerveuse. Un petit peu, ouais. T'avais les jambes qui tremblaient ? Je peux voir tes jambes ? Elles tremblent un petit peu. Saleté, là. T'es énervée ? Ah ouais, parce non, mais t'es contente quand même d'avoir sauté. Je suis contente, mais contente de ne pas avoir sauté assez. Bon, on l'a retrouvé. Natacha, en tout cas, tu nous as ramené un premier indice. Désolée, hein. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est bien d'avoir sauté. Hein. Ça fait du mieux. C'était comment ? C'était très bien. Juste très bien ? Ouais, non, c'est très sympa. T'es frustrée, là. Frustrée, oui, parce que tu sautes et au bout de 5 secondes, t'as peut-être pas sauté assez loin en avant. T'avais peur ? Ah ouais, certainement. Bon. On va aller voir Eric. Hein ? Sylvie, j'espère qu'il va nous ramener un deuxième indice. Allez, on te suit passe-partout. Allez, on y va. Dans le vide, mais alors pour du vide, c'était du vide. Hein. Oui, on peut le dire. Pas un seul indice. Pour si, on en a un. Si Natacha a assuré avec les araignées. Oui, oui. Bon, un indice. Il serait temps, Eric, malheureusement, pour toi. Je pensais qu'on était amis. Mais rassure-toi, nous le sommes et nous le resterons, je l'espère, après ceci. Sache en tout cas que nous ne voulons absolument pas t'enterrer trop vite, mais tu vas finir 6 pieds sous terre, là, pendant un court instant. Tu vas emprunter, comme tu peux le remarquer, cette galerie de fer. Une fois que tu seras en bas, tu vas devoir progresser dans un tunnel et trouver au bout de ce tunnel l'indice en question. Voilà. Tu as pour t'aider, eh bien, tes mains, tes bras et tes jambes et une petite lampe. Avec pour ça un petit mécanisme que Sarah va vous expliquer dans un instant. Concernant Xavier, à la fin de cette aventure, tu suivras passe-temps s'il te plaît, pour te préparer pour la prochaine aventure. Alors ma Sylvie. C'est pas grave, tu sais ma chérie, ça peut arriver. Hein. Eh oui. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, comme on dit souvent. Voilà. Merci. C'est comme ça. Tu es prêt ? Ouais. Bon.
Vas-y. Allez, Eric. Allez, Eric. Bonne chance. Ramène-nous un deuxième indice. Eric, bonne chance. Ce serait très gentil de ta part. Allez, Eric. Alors, on va l'encourager tant qu'il est dans la cage, parce que là, il peut nous entendre. Une fois qu'il sera dans le tunnel, il ne pourra pas nous entendre. Une chose très importante. Une chose très très importante, c'est cette dynamo, d'accord, que vous allez devoir tirer, tourner plutôt, pour fournir à Eric l'électricité nécessaire afin qu'il puisse s'éclairer. Alors je ne sais pas, Hicham, tu veux te coller à la tâche, vous pouvez vous relayer hein, dès que tu es fatigué. Dans le sens de l'île. Voilà. Alors dès que tu es fatigué, je sais pas, tu pourras demander à Xavier. À Natacha, on va la laisser tranquille, Sylvie aussi, ou à Séverine, d'accord. Alors vas-y, non, commence à tourner parce qu'une fois qu'il. On va pas vraiment. Savoir à quel moment il va rentrer dans le tunnel parce que là on ne le voit plus. Donc ça y est là. Non, il nous entend plus. Alors à défaut d'encourager Eric, on peut encourager Hicham. Ouais. Ça te rappelle la Doria hier avec la petite gouttière qui a bien rafraîchi Sylvie. C'est ça Hicham? Bon ça y est. Plus. Bon, Xavier, prends le relais, voilà. Ouais. Très bien. Tu vois, là, il est tous devant et on ne peut pas lui dire malheureusement, mais c'est surtout pas ce qu'il doit faire. Mais il va vite le comprendre, hein. Quand il n'arrivera plus à avancer, il aura compris que c'était pas là où il fallait mettre les pierres. J'espère qu'il va nous ramener ce deuxième indice. Hein. T'es confiante, Séverine? D'accord. Allez, vas-y, Séverine. Allez, Sèvres, allez. Allez, allez, vite, vite, vite. Ah oui. Si tu arrêtes de tourner, il n'a plus de lumière. Hein. Incroyable. Au lieu de passer l'aspirateur avant hein, pour envoyer les gens. C'est vrai, quoi. Pas humain. Tu vas te calmer, tu vas suivre passant et tu vas te développer. Préparer plutôt pour la prochaine aventure. Bonne chance à toi. Allez, allez, vas-y. Oui, progresse. Il vient là où... Pour l'instant ça va, mais je voudrais qu'il aille plus rapidement quand même. Je ne vais pas lui dire. Il a l'air fatigué, essoufflé. C'est un effort considérable. Si plus on est costaud, je peux me pousser de C'est vrai qu'on n'a pas choisi le plus maigre d'entre vous pour le faire. Non pas qu'Eric soit gros. Il est costaud. Mais il est costaud. Mais il se débrouille bien. Il se débrouille très bien. Alors là, j'ai le sentiment, je ne suis pas sûre, mais qu'il arrive... Il tire du câble là. Presque. Presque. Presque à la fin du tunnel. Presque. Hein. Il déroule bien le câble. Il garde bien sa petite loupiote. Il est à la fin du... Ça y est, maintenant il arrive. Alors maintenant il va devoir donc casser une pierre. Et notamment lundi c'est dans la pierre. Ouais. Exactement. Allez, voilà, il la casse. Allez. Il vient de parcourir 25 mètres. Je la vois. Je la vois. Il voit. C'est génial, il nous fait deux, oui, on a deux indices. Ah, je suis super contente pour vous. Bon. Vous êtes contents. Génial. Bon, c'est super. Bravo Hicham, bravo Séverine. On va retrouver Xavier Passepartout. T'es toujours en forme pour courir? Allez, on y va! Allez, Hicham! Super ce que je viens de faire, hein? Ouais. Beau! Très beau! Ah oui? Très beau, venez. Très beau. Venez. Je venais donc encourager Xavier. Deuxième indice maintenant. Troisième peut-être avec Xavier. Soyons fous, songeons-y. Mon cher Xavier, comme tu peux le voir, c'est un pont de singe qui t'attend. Au terme de ce pont de singe, il y a une petite clé. Cette petite clé te servira à ouvrir ceci, c'est-à-dire ce petit coffre dans lequel est contenu l'indice dont vous avez besoin. Sache simplement que si funambule rime avec somnambule, vaut mieux essayer d'éviter le somnambulisme et être avant tout funambule. D'accord? Vas-y. Avec Antoine maintenant, nous allons t'harnacher. Allez, Xavier. Hicham, tu suivras Passepartout dès que l'aventure sera terminée. Allez, bonne chance. Venez à côté de moi. On va l'encourager. Bravo, Xavier. Allez.
Alors oui, soit il sera très en arrière, soit il sera très en avant. Le plus dur, effectivement, c'est de rester allez, droit. Allez, c'est bon, allez, bonne cadence. Alors il va aller nous ramener cette petite clé. Ouh là là. Attention. Alors tu te reposes, oui. Attention de ne pas tomber, hein. Allez, Gab. Fais attention. Oh non. Est-ce que tu crois que... Allez. C'est exactement avec les pieds, les armes. Tu sais, Xavier, je crois que tu vas trop vite, là. Est-ce que tu crois... Tu te sens capable de... Voilà, peut-être que c'est un bon moyen. Oui. Ça serait bien, ouais. Pas doucement, Xav. Pas doucement, pas doucement. Oui, prends ton temps, prends ton temps. T'as été très vite sur le démarrage. Ouais. Prends ton temps, bascule pas. Et c'est pas moi, c'était fait sous la corde. Ouais. Ouais, mais tu vas basculer, tu fais ça. Bon, Xavier, calme-toi. Oui, bien, joli. Xavier, c'est très bien ce que tu fais. Tu le fais peut-être un poil trop vite et c'est peut-être pour ça que tu es tombé une première fois. Très bien, là. Maintenant, tu prends la clé. Prends ton temps, Xavier, prends ton temps. Tu es prête, tu vas doucement. Alors, fais attention de ne pas faire tomber la clé maintenant. Parce que si elle tombe, c'est les tigres qui en profiteront et pas toi. C'est très dommage. Fais des petits pas, Sylvie, tu devrais pas lui dire de mettre la clé, tu vois, sur son poignet, parce que si... Jam, tu vas suivre Passe-temps et tu vas aller voir le père Foura. Et nous, on te retrouve tout à l'heure. Bonne chance, Hicham. C'est bien. Ce serait dommage qu'il nous fasse tomber la clé. Ouais, serre bien les dents. Allez. Tu lui attrapes la clé en avant? Bah, dès que vous pouvez, oui, mais... Tu peux passer? Wouh! Bravo! Xavier, c'est vachement bien. Viens le rejoindre. Wouh! Troisième indice! Xavier, oh là 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 là! Super. Moi, je dis respect. Ah, c'est clair, respect. J'étais peut-être un peu trop sûr de moi et... C'était bien. Impeccable. Non, c'est vachement bien. Oui, moi, quand t'es tombé, j'étais pas sûre que tu puisses remonter. Hein. Ouais, vous voyez... C'est présomptueux. Bravo, un grand bravo. Super, ça. T'as eu peur un petit peu? Non, mais je suis parti trop sûr de moi et voilà. Et Xavier, il nous a ramené toutes les clés hier, à chaque fois qu'il devait nous en ramener une. Et aujourd'hui, tu nous ramènes donc notre troisième indice. Je t'en félicite. Il y a des petits-enfants dans le monde entier qui ont besoin de notre aide. Donc on essaie de faire le maximum pour eux, quoi. Comme tout le monde d'ailleurs, dans l'équipe. Okay. Allez, on va vers la prochaine aventure. Allez. On ne perd pas plus de temps. Bravo encore, Xavier. Je suis contente. Je suis vraiment fière de vous. Allez. Xavier, je suis désolée, tu peux pas te reposer. Hein. Pas de soucis. C'est vrai que c'est un comédien qui monte. Ah, Hicham, deuxième tentative, n'est-ce pas? Content de vous retrouver, oui, c'est une sorte de revanche. Oui, bien, j'espère pour vous que les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Écoutez bien, voici les trois définitions. Première définition. Chacun peut posséder secrètement mon indice. Allez, proposez. Hicham. Un don Non, allez, dites ce qui vous passe par la tête. Bon, ben, deuxième définition. Mon indice peut être d'agrément. Complément. Non. Allez, associez les deux. Troisième définition. Quand mon indice est régulier et symétrique, on dit qu'il est à la française. Oh, vous devriez connaître ça. Hicham. Allez. Un sport, une passion. Mais vous allez repartir sans l'indice, Hicham. Mais un petit conseil, continuez, gardez bien toutes les définitions en tête. D'accord. Et continuez à réfléchir parce que vous pouvez encore trouver. Allez, sans se décourager. Hein. Allez. Oh là 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 là, j'ai l'impression qu'il m'en veut, lui. Brûler les planches, c'est bien, mais attention de ne pas griller sa carrière. Nous ne savons absolument pas ce qui s'est passé en vigie. Ce sera l'inconnu jusqu'au moment où vous serez devant la salle du trésor. Donc peut-être que le mieux, c'est de rester très concentré encore, Séverine, avec cette épreuve qui t'attend. Passe-partout. Ah oui, yes, ouais, bon. Très bien. C'est bien.
Vous avouez ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Simplement, tu nous confirmes que tu as bel et bien réussi ton épreuve, toi aussi. Tu peux la remettre à Passepartout, d'ailleurs, et que ce sera plus simple. Je voulais te dire simplement que nous ne savons absolument pas ce qu'Hicham m'a donné en vigie. Nous allons donc voir maintenant, en revanche, ce que Séverine va donner avec l'aventure qui l'attend. Passepartout va t'ouvrir l'écoutille. Tu vas remarquer que c'est un endroit, comment dire, pas vraiment sec, plutôt humide. Voilà. Ah, Hicham. Alors, Hicham, je crois que le père Forest a une dent contre moi. Non, c'est très non, difficile. Est-ce que tu te souviens de l'énigme là-bas? Ce qui se passe là, c'est que je me souviens des deux sur trois définitions. On va pouvoir réfléchir dessus. Hein. D'accord. Oui, vous excusez-nous, mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui travaillent. Ouais, allez, Séverine. Allez, Séverine. Allez. Bon, Séverine, tu as besoin de cet outil pour pouvoir récupérer l'indice. Tu suis le fil d'Ariane. Il est lumineux. Profites-en, ça n'arrive pas tous les jours. Allez, chouchou. Allez, à toutes. Bonne belle. Allez, bonne chance. Allez, ramène-nous un quatrième, c'est ça? Un quatrième. Oui, bonne chance. Séverine, alors tu suis bien le fil d'Ariane. Tu peux bien coulisser l'outil, d'accord? Allez, chouchou, courage. Allez. Allez, à allez. Et prends ton souffle. D'accord. J'espère qu'elle va nous ramener ce quatrième. Vous allez, je suis parti. Elle prenait son souffle. Elle est en train de prendre son souffle. Alors, l'outil, elle doit le faire passer sous la table. Vous voyez? Donc ça y est, c'est bon, sans difficulté. C'est bon? Il arrive, oui, oui, c'est bon. Allez, elle prend son souffle. Elle passe dans une autre pièce, elle se débrouille bien. Il ne faut pas trop non plus qu'elle prenne son souffle. Je ne veux pas être méchante, mais il faut qu'elle aille vite. C'est vrai, mais faut que tu accélères un tout petit peu. C'est au bout du fil. L'indice se trouve au bout du fil. Voilà, c'est bon. Oui, c'est bon, là. Elle est en haut. Fais passer l'outil dans le tonneau. Faut faire passer l'outil dans le tonneau. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais apparemment, il y arrive bien. C'est une épreuve difficile, Xavier. Il faut vraiment être intelligent avec elle. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'elle se dépêche. Parce qu'elle est forte. Hein. Passe t'as un trou ou tu longes. T'as des barreaux et à un moment, t'as un trou ou tu plonges. Elle y est presque. Rassure-toi. Vas-y, tu es presque. Tu plonges, tu suis dessus, tu es presque arrivé. Tu es presque. Allez, allez. Écoutez, là. Presque. Là, elle est morte. Tu plonges, le tuyau passe sous quelque chose qui est au sol, donc tu passes par quelque chose. Plonge, tu es prête. Non, il y a un temps qui est imparti qu'elle doit respecter, mais on n'a aucune indication, et la seule indication qu'on aura, c'est l'indice qui va exploser. Mais où? Vas-y, Il faut que tu dépasses un nœud là. Défais le petit nœud derrière toi. Derrière ta tête. Derrière ta tête, j'ai un nœud, essaye de le défaire. Voilà. C'est bien. Tu y es presque, Cédric, c'est bien. Profite-en pour respirer. Non, on va pas la lâcher, ça c'est sûr, mais vraiment. Trop de temps, je le sentais gros comme une maison. Et c'est le cas de le dire, pour la maison de l'outil, voilà, c'est vraiment mais t'inquiète dommage. Pas, c'est bien. On va l'attendre, hein, on va la... Oui, après coup, après y avoir pensé, ouais, c'est sûrement mon premier, je me souviens pas de la troisième, mais mon premier peut-être pratiqué secrètement,
Donc moi je pense à agent. Mon premier peut-être pratiquer secrètement et mon second peut-être de complément. Agent de complément, ça existe? Oui. Complément d'agent. Soyez prudent, ça serait dommage que vous partiez sur une mauvaise piste. Hein. Si vous avez une idée qui est évidente, géniale. Mais sinon, vraiment, et la troisième, je m'en souviens plus. Vous avez quoi? Vous avez trois indices, d'accord? C'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Hier, avec trois, on était bien. Vous allez peut-être avoir la possibilité de faire un sacrifice. C'est pour un indice supplémentaire? C'était pour un quatrième indice, ouais, d'accord. Bon, on va accueillir Séverine. Séverine, tu étais presque, mais t'as vraiment pris ton temps. Je crois que t'as vraiment coincé à un moment donné. Hein. Non, mais il était bloqué. T'as perdu du temps sur le truc. Ça va, tu sors? Allez, viens, Séverine. Viens vite. On est pressé maintenant. Je suis désolée. C'est horrible de dire ça. Quelqu'un qui est crevé, mais on est très speed. Tu remets vite tes chaussures. Bon, on n'a pas le temps de mettre les chaussures. Allez, on y va. Bravo. Champion. Allez, venez, s'il vous plaît. Allez. On y va. Séverine, tu nous suis. Laisse tes chaussures, viens. Laisse tes chaussures. Il faut vraiment aller vite maintenant. Hein. Bon, peu de temps, il nous reste peu de temps. Oui, on a trois indices. Oui, mais pour finir en beauté, même avec une Miss France, ce ne sera pas suffisant. Allons tout de suite maintenant au vif du sujet avec les cartouches que vous avez récupérées. Ouvrez-les immédiatement, passe-partout. Voilà, la description. Alors, c'est précis. Vous les ouvrez, vous lisez le mot et vous me donnez le morceau de papier, d'accord? Sylvie, c'est bon. Natacha, c'est bon. Xavier, c'est bon. Patio. Jardin. Compte. Compte. Alors, on récapitule. Vous avez compte. Trois. Patio. Et patio, vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez donné comme mot déjà? Alors, patio, jardin, la cour du roi. Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Vous voulez pas faire de sacrifice? Vous êtes sûr de vous? Le patio, c'est la cour du roi, la cour des comptes? Ouais, je pense que c'est bien. Bon, c'est vous qui décidez. Tête de tigre.
regarde bien. Chame bien. Eric, allez à la pesée. Allez, on va à la pesée. S'il vous plaît. Cours. Eh oui, c'était bel et bien le mot cours. Roi pour la cour du roi, ils avaient raison. Patio, c'est une cour intérieure de maison de type espagnol. Comte pour la cour des comptes. En vigie, Hicham devait trouver en fait le mot jardin sur la scène. Il y a côté jardin et côté cour en opposition, c'est au théâtre. Et cassation, bien sûr, pour la cour de cassation, cour de tribunal. Ils ont bien joué, franchement, non? Quelle est ton opinion, Sarah? Je trouve que Hicham, t'étais limite, limite sur la fin. Et t'as failli rester. Puis après, il y a les tigres qui sortent et t'as les draps pour ça. Et... Voilà. Ouais. Prochain tournage. Bien. Alors, Eric, tu as fait un dérapage contrôlé, faut bien le dire, toi aussi. Fac, comme ça, sur le côté. Ça va, tu t'es pas trop rappelé c'est mon côté, c'est mon côté gardien de but. Non, vous avez tous été très courageux, les uns et les autres. Et très performants. On est très, très contents, surtout pour l'association. Je pense que c'est super important pour Handicap International. On est vraiment amis. Bon, la nuit a été un peu rude, hein. Pas trop de mauvais souvenirs, Séverine. Tu quitteras ce fort avec le sourire. Oui, voilà. C'est un visage que j'aime voir ici en fin d'émission. Nous allons maintenant procéder à la pesée, en effet, Sarah. Passe-partout et passe-temps, proposez-nous le chaudron et nous allons voir ensemble. Oh là 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 là, ça m'a l'air d'être un fameux pactole. Il en reste. Oui, oui, mettez bien tout. Voilà. Même la dernière. Merci. Alors, on va voir. 13 ans. Ouais. Très, très beau montant. Oui, un cri de guerre jusqu'au bout. Un cri de guerre. 1, 2, 3. Engagement total, Handicap International. Bravo. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir été avec nous. J'espère merci que vous avez gardé bon souvenir ici sur ce fort. À bientôt, Sarah. À bientôt, passe-partout. À bientôt, passe-temps. Merci. Merci. Salut. Vous êtes littéralement surpassé jusqu'à la dernière minute. Quels sont vos sentiments? La nuit sur le fort, que du bonheur. Que du bonheur. Du surpassement. Ah, c'est bien resté 2-3 nuits de plus. C'est vrai. C'est passé des souvenirs. En tout cas, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Vous êtes arrivés sur ce fort avec plein d'espoir. Vous en repartez avec un maximum de boyards. Et ça, c'est une belle victoire déjà pour vous, mais surtout pour la sauce. Sylvie, peut-être un dernier mot très rapide sur la sauce. Bah, écoutez, Handicap International a continuellement besoin de nous parce que il y a énormément besoin dans tous les pays. Hein. Aujourd'hui, Bagdad, il y a des gens qui sont partis en mission pour sensibiliser les enfants pour la prévention des mines. Même chose pour l'Algérie, évidemment. C'est un combat continuel. On compte sur vous. Bon, c'est terminé. On va embrasser nos téléspectateurs. À très bientôt. Bonne fin de soirée sur France 2. Et à très vite. Au revoir. Au revoir. Allez, on ramasse tout ça. Eric, vous êtes des frissons, de l'émotion, de la passion, c'est ça, Fort Boyard. De jour comme de nuit, c'est une épreuve dont on sort toujours grandi. À bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.